Que le Dieu de gloire bénisse tout un chacun de nous. Là où nous sommes, nous allons prendre nos Bibles et nous allons continuer notre enseignement sur... il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Là, nous avons maintenant touché le thème, un sous-thème ayant comme titre les élus dans l'armée de Gédéon. Donc, nous allons commencer notre écriture de la fois passée, écriture de base, pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus. Parce que Jésus est bon. Nous allons prendre nos Bibles, nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 22. Tu vas prendre ta Bible, Matthieu chapitre 22. Que le roi des gloires bénisse tout un chacun de nous pour ce rendez-vous qui nous amène encore dans sa présence. Alléluia. Matthieu chapitre 22. Je commence à partir du verset 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent de serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura de pleurs et de grincements des dents. » Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est ça notre lecture de base pour cet enseignement de beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais la fois passée, le dimanche passé, nous avions touché cette écriture parce que nous avons expliqué que le premier convié à ce festin, c'était Israël. Mais Israël a trouvé des excuses pour ne pas venir au festin. Pourquoi? Parce que Israël était déjà rassasié. Israël avait déjà mangé. Israël avait des occupations. Cela n'a pas permis que Israël vienne au festin. C'est quel festin? La préparation du festin, c'est le temps de la grâce. Israël n'a pas pu entrer dans ce temps de la grâce. Au temps de la préparation, au temps où on est en train d'inviter Israël, mais cependant Israël n'est pas venu. Alors Dieu a jeté un regard sur un peuple qui était dans un carrefour, un peuple qui était rejeté, un peuple qu'on ne considérait pas. C'est là-bas que Dieu va inviter toi et moi pour que nous puissions faire partie de ces grands festins, de cette fête, la fête des noces. Alors la parole nous est parvenue par son fils, le seul serviteur, parce que nous avons dit la fois passée, selon le livre de Luc, que tous les serviteurs étaient réunis à un seul serviteur. Et c'est là-bas que ce serviteur nous a appelés, nous a envoyé son message, sa parole, son invitation, pour que nous puissions venir au festin. Et lors de la préparation, alors que nous sommes en train de venir un après l'autre, c'est le temps de la préparation, c'est le temps de la grâce, là où le Seigneur nous appelle pour entrer dans la salle de fête. Donc Israël ne sera pas invité parce que Israël a trouvé des excuses. C'est là-bas que nous sommes partis maintenant pour toucher cette écriture de juge, pour voir maintenant l'élection dans l'armée de Gédéon. Aujourd'hui, nous allons toucher la deuxième partie. La première partie, nous avons vu qu'il y avait 22 000 personnes parce que l'armée de Gédéon, quand Gédéon est parti pour chercher, trouver ceux qui étaient dignes pour le combat,
Il a trouvé un groupe de gens qui étaient au nombre de 32 000. Il les a amenés auprès du Seigneur. Mais Dieu a dit, non, 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 les nombres sont trop nombreux. Enfin, les personnes sont trop nombreuses. En tout cas, donne cet ordre dans les camps. Dis à tous ceux qui sont craintifs, à tous ceux qui ont peur, à tous ceux qui peuvent trouver des excuses, ceux qui sont craintifs, dis-leur de rentrer à la maison. C'est comme ça que Gédéon va annoncer à toute son armée qui ont peur, qui sont craintifs, qui sont ceux qui ne sauront pas aller à la guerre. Rentrer à la maison, la Bible dit qu'il y a eu 22 000 qui sont rentrés. Le dimanche passé, nous avons présenté ces deux 22 000 comme étant Israël qui a trouvé des excuses aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Israël avait peur. Israël, c'est un craintif qui ne veut pas affronter la persécution, la souffrance en Christ et Jésus. Ils ont rejeté la parole du serviteur parce qu'ils étaient craintifs. Dans les 22, le groupe de 22 représente Israël qui ne peut pas marcher au temps de la grâce. Maintenant, au temps de la grâce, il nous reste 10 000. J'avais dit le chiffre 10. C'est en fait le chiffre de l'église. C'est en fait les temps où le Seigneur est en train de parler à l'église. Mais ces 10 000 étaient aussi nombreux. Et c'est là-bas que le Seigneur va dire à Gédéon, le nombre sont encore nombreux, amène-le près de cours d'eau. Amène-le dans l'eau, vers l'eau. Et c'est là-bas que je te montrerai qui va aller avec toi et qui va rester. Nous allons lire encore ces passages. Et c'est là-bas que nous allons commencer cette deuxième partie dans l'armée de Gédéon. C'est très important. Je prends l'écriture, je suis dans le livre de Juges. Juges chapitre 7. Je commence à partir du premier verset. Jerubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source des Harod. Le camp des Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. » Nous avons dit que cette écriture explique que Dieu ne peut pas partager sa gloire. À chaque fois, Dieu cherche comment il peut faire éclater sa gloire. Le verset 3, « Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Nous avons dit que c'est Israël. Le verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre vers l'eau et là je t'en ferai le tirage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Nous avons pris cette écriture la fois passée pour montrer que seul Dieu connaît ceux qui respectent sa parole. Et c'est là-bas que nous commençons aujourd'hui. Cette écriture du verset 4 nous montre que seul Dieu qui connaissait ceux qui vont aller à la guerre avec Gédéon. Alors que le peuple descendait vers l'eau, Gédéon lui-même ne savait pas. Même les voisins, les amis qui étaient avec d'autres soldats, ils ne savaient pas qui va aller à la guerre réellement. Parce que c'était un test. Maintenant, qui va au fait respecter le dessein de Dieu? Ça vous voyez. Nous avons dit la fois passée que quand le peuple est parti vers l'eau, ils ont commencé à boire. La position que Dieu attendait de ce peuple ne dépendait pas de l'humain. Ne dépendait pas de la personne elle-même. Mais cela dépendait du destin de Dieu. C'est la destinée qui décidait à ce moment-là.
Remarquez, le verset 4, je le répète, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. C'est-à-dire, Dieu veut faire maintenant l'élection. Dieu veut choisir. J'aimerais te dire, pour aller au ciel, ça ne dépend pas de l'homme, bien-aimé. Pour être un élu, ça ne dépend pas de l'homme. Mais ça dépend de la destinée. Si réellement tu viens du ciel, tu rentreras au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel si tu ne viens pas du ciel. C'est pour cela que nous disons toujours que Israël est venu de Canaan. Il est entré en Égypte. Il rentrera à Canaan. Si tu n'as jamais vu Canaan, comment tu peux rentrer à Canaan? Parce que nous croyons par la révélation que nous venons de Canaan et que Dieu nous avait jeté sur terre. Nous allons rentrer à Canaan. Très important, bien-aimé. C'est ta destinée qui parle. Je parle de la destinée. Je ne parle pas de quelque chose que tu as calculé dans ta tête. Je ne parle pas des efforts que l'humain peut faire, mais je parle ici de la capacité de la destinée qui est en toi. C'est ça qui parle pour entrer au ciel. Remarquez le verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme on lappe le chien, tu le sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Tous ceux qui lapperont l'eau avec leur langue, comme on lappe le chien, tu le sépareras de tous ceux qui vont se mettre à genoux pour boire. Seulement ceux qui vont laper l'eau comme des chiens, en amenant l'eau avec leurs mains, ce sont eux qui vont aller à la guerre avec toi. Maintenant, posons-nous des questions. Est-ce que Dieu savait réellement qu'il y aura seulement 300? Parce qu'ils étaient au nombre de 10 000. Est-ce que Dieu sait qui va aller au ciel? C'est une question qu'on nous pose tout le temps. Est-ce que Dieu sait qui va aller en enfer? Est-ce que Dieu sait qui va aller au ciel? Nous disons oui. Est-ce que Dieu est injuste? Non, loin de là. Dieu connaît ceux qui vont aller au ciel et ceux qui vont rater l'enlèvement et ceux qui vont aller en enfer. Donc il y a d'autres qui vont aller au ciel. Il y a d'autres qui vont entrer dans le royaume, mais ils ne vont pas aller en enlèvement. Et il y a d'autres qui vont aller en enfer. Dieu le sait. Il y a une personne qui nous a dit, mais bien aimé, là, est-ce que vous n'êtes pas en train de prêcher que Dieu est injuste? Pourquoi il va créer les hommes et après les jeter encore en enfer? Quand Dieu a créé les hommes, tout homme devant Dieu n'est pas un homme. Devant Dieu, toute personne que tu vois, ce ne sont pas tous des hommes. Quand Dieu va créer l'homme à son image, il doit mettre son image à l'intérieur pour que tu sois appelé homme. Mais quand en toi, il y a cette partie de l'animal, tu es un homme animal. Dieu te voit comme un chien, en tout cas un animal qu'on peut jeter et déchirer. Parce que les hommes animaux ne vont pas entrer au ciel. Seulement les hommes spirituels. Ok. Si tu es un homme spirituel, tu es l'homme créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas tout homme qui a été créé à l'image de Dieu, mais c'est seulement ceux qui ont l'image de Dieu qui est le Seigneur Jésus. Si le Seigneur Jésus s'y retrouve en toi, alors tu es l'image de Dieu. Mais si tu n'as pas le Fils, si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas l'image de Dieu. Tu es un animal, un homme animal.
Quand Dieu te regarde, tu es un animal. Tu es comme ces bœufs, soit ces buffles que le lion est en train de déchirer dans la forêt. Tu es un animal. Ne pense pas parce que tu vas à l'école, tu es intelligent, tu peux travailler et que Dieu te considère. Pour que Dieu puisse te considérer, il doit d'abord voir en toi son fils. Parce que Dieu ne considère que son fils. Ouh là là. Dieu, il n'écoute pas la prière des hommes. Dieu ne regarde pas n'importe qui. Dieu ne parle pas avec n'importe qui. C'est un homme qui ne parle que avec son fils. Alors si tu as le fils, alors tu peux parler avec Dieu. Tu ne peux pas parler avec Dieu si tu n'as pas l'enseignement. Si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas le fils en toi, le Seigneur te regarde comme un animal, bien-aimé. Un animal. Tu n'as pas de valeur devant Dieu. Est-ce que Dieu sait qui vont aller au ciel et qui ne vont pas aller? De la même manière qu'il a créé les animaux, qu'un lion peut déchirer, un léopard peut manger, c'est de la même manière qu'il a créé aussi les hommes. Mais ce qui fait des différences entre un homme et un animal, c'est l'esprit du véritable homme, c'est-à-dire le Fils. Quand le Fils entre dans ton cœur, entre dans ta vie, tu deviens maintenant un homme que Dieu peut surveiller afin de te protéger. Là, tu es un enfant de Dieu. Donc, un élu de Dieu, un appelé de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a mis sa parole à l'intérieur. Très important. Parce que le Fils jette un regard sur toi. C'est là-bas que tu es un homme. Tu n'es plus un animal. Très important. Je vais donner une écriture. Remarquez. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Je prends cette écriture. Romains chapitre 9. Nous voulons voir si Dieu réellement connaît ceux qui vont aller au ciel et ceux qui vont aller à la perdition. Remarquez. Romains chapitre 9. Je commence à partir du verset. Le verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Cette écriture, c'est quand Dieu était venu dans la maison d'Abraham. Il a promis à Abraham que à cette même époque, l'époque dans laquelle nous sommes, mais l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. J'aime ça. C'était un fils de la promesse qu'on a promis à Abraham qu'il n'avait pas un enfant avec Sarah. Maintenant, Dieu va promettre que l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils. Je reviendrai. Donc, quand tu verras Sarah avec un fils, comprends que je suis revenu. Parce qu'en réalité, dans la Bible, quand tu vas chercher, tu ne verras pas que l'année prochaine qui a suivi, ou bien l'époque qui avait suivi l'époque dans laquelle Dieu était venu, tu ne verras pas une écriture où Dieu est revenu comme ça, quand il parlait avec Abraham. Or, nous comprenons dans cet évangile que quand Dieu parle, c'est la semence qui est lancée. Or, la semence de Dieu, c'est Dieu lui-même. La semence de Dieu, c'est le Fils. Quand l'Éternel a parlé que l'époque prochaine, je reviendrai, c'est-à-dire le Fils que tu auras, c'est un fils de la promesse. Quand tu verras ce fils-là, cela veut dire que je suis revenu. En d'autres termes, Isaac était la manifestation de la parole que Dieu a prononcée sur Sarah. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, quand Dieu a parlé à Sarah,
C'était une semence qui va toucher et Abraham et Sarah, de sorte que l'année prochaine, à la même époque, ils auront un enfant. De la même manière que l'ange a parlé avec Marie, et Marie a conçu. Marie est partie dans la maison d'Élisabeth. Élisabeth a dit, le fruit de tes entrailles est béni. Comment est-ce qu'Élisabeth a vu que dans le ventre de Marie, il y avait une semence? C'est parce que l'ange a amené la salutation qui vient du ciel, et cette salutation commençait déjà à trouver forme dans le ventre de Marie par la parole de l'ange. Et c'est dans cette manière que quand Dieu a parlé à Sarah, a parlé à Abraham, c'était la semence qui commençait. À la même époque, je reviendrai. Donc Isaac, c'est le retour de l'Éternel. Et j'aime ça. Or, nous savons tous, si nous sommes en 2020, à la même époque de 2020, et que je dois venir dans votre maison l'année prochaine, à la même époque, cela doit s'écouler environ 12 mois. Ça doit faire une année. Donc, si à la même époque que Dieu a parlé à Saraï, et que l'année prochaine, à la même époque, Saraï va avoir un enfant, donc la grossesse de Saraï, c'était de 12 mois. J'aime ça. Le seul enfant qui est resté dans le ventre pendant 12 mois s'appelle Isaac. Je parle de 12 mois parce qu'en lui, on doit trouver les 12 patriarches, les 12 apôtres. Parce que c'est lui qui représente les chiffres 12. Et quand je parle des chiffres 12 ici, je suis en train de voir les seigneurs qui représentent les prophètes et qui représentent les douze apôtres. Le seul fils qui avait 12 mois dans les ventres de Sarah, c'est Isaac. Or, le véritable Isaac, c'est notre Seigneur Jésus, c'est lui la postérité d'Abraham. Remarquez, je vais prendre encore une autre écriture. Galates chapitre 3. Parce que le Isaac en question, que l'Éternel a mis dans le ventre de Saraï, c'est notre Seigneur Jésus. C'est lui qui est le fils de la promesse. C'est lui qui est le fils de la postérité d'Abraham. Galates chapitre 3. Remarquez. Galates 3, je prends le verset 16. Galates 3, le verset 16. La Bible dit ceci. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais il s'agit d'une seule, et à ta descendance ou postérité, c'est-à-dire Christ. La postérité d'Abraham véritable, c'est Christ. Donc, quand Dieu a dit à Saraï, je reviendrai l'année prochaine et Sarah aura un fils. Le fils en question, c'est la postérité d'Abraham, le Christ. Le Christ. Donc quand on voyait Isaac, on comprend que c'est le retour de l'Éternel à la même époque. À la même époque de l'Éternel, c'est quand nous voyons Isaac. Isaac, c'est la représentation de l'Éternel dans la maison de Sarah. J'aime ça. La Bible est tellement super, bien-aimé. Continuons. Maintenant, la Bible dit ceci. Je continue. J'étais dans les livres de Romains. Romains chapitre 9. La question qu'on a posée ici, est-ce que Dieu connaît ceux qui vont aller au ciel et ceux qui vont aller en enfer? Nous avons dit oui. Pourquoi? Romains chapitre 9. Je viens de lire le verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste.
sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. C'est donc qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Je saute, je prends le verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. J'ai pris cette écriture pour te montrer que Dieu savait très bien que dans le ventre de Rebecca, il a aimé Jacob. Il a haï Esaü. Il n'a pas aimé Esaü. Il a aimé Jacob. Mais j'aimerais te dire, l'écriture l'a très bien dit, que les enfants étaient encore dans le ventre. Ils n'étaient pas encore nés. Ils n'ont pas fait encore de mal. Ils n'ont pas connu le péché. En tout cas, le péché par l'acte. Donc, ce n'est ni par les œuvres, mais c'était par l'élection. Parce que les enfants n'étaient pas encore sortis, mais Dieu a fait son choix. Il a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Donc, pour aller au ciel, ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui prie beaucoup, ni de celui qui jeûne, mais ça dépend de la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu connaît ceux qui vont aller au ciel. Oh les élus, tu es élu parce que Dieu t'avait élu avant la fondation du monde. Tu es élu parce que tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas le choix des hommes. Tu es élu, ce n'est pas par tes efforts, ce ne sont pas par ta manière de forcer les choses, mais tu es élu parce que Dieu a mis en toi sa destinée. Et les hommes verront maintenant cette destinée. J'arrive. Donc là, j'ai répondu à la question de savoir, est-ce que Dieu connaît ceux qui vont aller au ciel? Nous disons oui, parce que c'est lui-même qui a fait le choix. C'est lui qui a choisi cela. Il a fait l'élection alors que nous n'étions pas encore nés. Nous étions encore dans l'inconnu sur la terre. Mais Dieu avait déjà fait son choix. J'aimerais te dire, bien-aimé, tu es le choix de Dieu. J'aimerais te rassurer que tu es le choix de Dieu. Si aujourd'hui, tu continues dans la marche avec le Seigneur, ce n'est pas par tes efforts, mais c'est par la grâce qui réside sur toi, parce que tu viens du ciel. Et Dieu veut te remettre sur le marche, afin que tes pas marchent dans l'assurance du salut. Très important. Tu es le choix de Dieu. Oh Seigneur, merci. Le choix de Dieu. Maintenant, la deuxième question. Est-ce que les hommes, par exemple tes amis ou ton pasteur, peut savoir que celui-ci va aller au ciel et celui-là va aller en enfer? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que mon frère dans l'église peut savoir réellement si je peux aller au ciel ou je peux aller en enfer? Nous allons répondre par les Écritures. Prenons acte des apôtres. Est-ce que mon frère ou mon pasteur peut savoir si réellement je viens du ciel? Actes des apôtres. Très important cet enseignement pour savoir si je suis un élu de Dieu ou pas, si je veux aller au ciel ou pas. Actes des apôtres chapitre 9. Remarquez. Je prends le verset 11. La Bible dit ceci. Actes des apôtres chapitre 9 à partir du verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait. En d'autres termes,
J'ai appris auprès des hommes. J'ai appris auprès de mon entourage. Les hommes de la terre. Que cet homme a fait beaucoup de mal. C'est ça. J'ai appris de plusieurs personnes. Tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici de pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va. Oh, j'aime beaucoup cette écriture. Va, car cet homme est un instrument que je choisis pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias avait une information. Cette information, c'était que Saul était un mauvais. L'information qu'Ananias avait, que Saul avait beaucoup de mal. C'était un criminel. Il tuait les saints. Beaucoup de ton entourage, ils ont une information sur toi. Ils ont l'information de ce que tu avais fait. Ils ont l'information de ce que tu avais connu. Mais j'aimerais te rassurer que l'information qu'Ananias avait, c'était le passé de Saul. J'aime ça. C'était Saul au passé. Parce que Saul était dans le présent. Il a déjà rencontré Jésus. Saul, ce n'est plus le Saul qu'Ananias connaissait. Tous ceux qui te connaissent ou qui te connaissaient avant, tu n'es plus la même personne depuis le jour où tu as rencontré le Seigneur. Ils ont une mauvaise information sur toi. Je suis en train de te rassurer que ton entourage, ils ont une mauvaise information sur toi. Toute information qu'ils sont en train de dire, c'est ton passé, bien-aimé. Ah, là tu es dans le présent. Tu as déjà rencontré le Seigneur. Il a déjà brisé les écailles qui étaient sur tes yeux. C'est pour cela que tous ceux qui sont en train de dire, ce sont les informations passées. Ils n'ont pas de nouvelles récentes. Ils n'ont pas des informations récentes qui viennent du ciel. C'est pour cela que je te dis, aucun homme ne sait ce que tu es réellement. Nous pouvons toujours avoir des informations du passé. Mais ce ne sont pas les informations du passé qui caractérisent ton futur, bien-aimé. Tu ne dépends pas des échecs du passé, mais tu dépends les efforts que Dieu est en train de faire avec toi dans le présent pour que ton futur soit rassuré. Je répète, tu ne dépends pas des échecs du passé, des échecs que tu avais fait avant, mais tu dépends des efforts que Dieu est en train de faire avec toi dans le présent pour que ton futur soit rassuré. J'aime ça, bien-aimé. Oh, je ne suis pas le produit de mes échecs. Je ne suis pas le produit de mon passé. Je suis le produit de ce que je suis avec Dieu aujourd'hui. Tout ce que vous êtes en train de me dire, ça c'est mon passé, bien-aimé. Tout ce que vous êtes en train de comploter, c'était mon passé. Dans le présent, j'ai déjà rencontré le Seigneur. Les écailles sont tombées. Les hommes ne savent pas réellement ce que je suis en train de faire avec le Seigneur maintenant. Quand je dis ça, c'est parce qu'ils ont une mauvaise information du passé. Maintenant, ceux qui ont l'information du présent, c'est là-bas que nous sommes. Parce que Ananias a donné une information du passé. Mais l'information du présent, c'est Dieu qui lui donne cela. Dieu lui a dit, cet homme est déjà transformé, c'est mon serviteur. Ça, c'est le présent. Ananias, tu as encore l'information du passé que j'étais un mauvais, j'étais un pécheur. J'étais un criminel. Ça, c'est l'information du passé. Mais Dieu est en train de donner l'information du présent. Je suis maintenant un serviteur de Dieu. Je crains Dieu.
Or, si Dieu atteste ce que tu es dans le présent, aucun homme ne peut contester. Parce qu'on doit voir cela. Ah. Donc, dans le présent, tu dois manifester Dieu. Pas les péchés. Je ne parle plus du passé. Je suis maintenant dans le présent. Donc, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, dans le présent, parce que tu marches avec Dieu, manifeste Dieu. Manifeste le ministère. Manifeste la piété. Manifeste la vie de la sanctification. Très important. Pas dans le passé. Dans le présent maintenant, si réellement je suis Paul, si réellement j'ai rencontré le Seigneur doit attester que je suis son serviteur. Je suis, je n'étais pas, je ne serai pas, je suis. Donc je dois manifester la vie d'un ministre, la vie d'un enfant de Dieu dans le présent. Je comprends, s'ils ont encore les formations du passé, c'est normal qu'ils puissent tâtonner sur toi. Mais dans le présent, qu'est-ce que tu es en train de manifester? Dans le passé, il n'y a rien là où vous pouvez m'arrêter. Ça, c'est le passé. Mais c'est le présent qui détermine mon futur avec le Seigneur. Je prends encore une autre écriture, remarquez. Ah, les hommes parlent toujours. Les hommes ne te connaissent pas, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui te connaît. Mais manifeste la vie de Dieu dans ton présent. Actes des apôtres, chapitre 28. Je prends le verset 3. Actes des apôtres, chapitre 28. Je prends le verset 3. La Bible dit ceci. Actes des apôtres, chapitre 28, verset 3. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles, et l'ayant mis au feu, une vipère, en sortit par le feu de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient, j'aime ça, ces gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, j'aime ça, après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis. Et dire que c'était un Dieu. Les hommes ne te connaissent pas, bien-aimé. Dans le présent, si tu manifestes Dieu, tout ce qui va t'arriver, les hommes vont penser que tu es dans le passé. Ils vont penser que tu es encore dans le péché. Mais si réellement tu es avec le Seigneur Jésus, ils vont s'attendre en sait que tu tombes, mais ils vont changer de parole. Pourquoi? Parce que tu as Dieu dans le présent. Un élu de Dieu, un appelé de Dieu, marche avec Dieu. Même si tu rencontres des problèmes, des soucis, crois-moi que ces gens-là vont changer de langage. Ceux qui s'élevaient pour te condamner, ceux qui s'élevaient afin de te clouer, ils vont changer de langage. Quand ils verront que le malheur qui t'a frappé, le malheur qui a frappé tes enfants, tu n'es pas tombé, tu as continué dans la foi, ils vont changer de langage, ils vont changer leur façon de voir les choses, parce que tu es un élu de Dieu. Un élu de Dieu n'a pas peur quand il y a des soucis, quand il y a des calamités qui le frappent, mais il va sortir victorieux et les hommes doivent changer leur langage. Ça, c'est un enfant de Dieu dans le présent. J'aime ça, bien-aimé. Dans le présent, nous sommes puissants. Nous manifestons la gloire de Dieu. Très important. Waouh! Là, nous étions en train de répondre si les hommes peuvent déterminer si je dois aller à l'enfer ou aller au ciel. Je dis, s'ils ont encore l'information du passé, ils vont taper à côté.
Ils doivent voir mon information présente. C'est que je suis en train de vivre avec Jésus. C'est ça qui détermine si je marche avec le Seigneur. Il ne faut pas prendre le passé, mais prendre le présent de la personne. Si la personne marche avec le Seigneur. Très important. Alors, je vais rajouter une question. L'écriture de là où nous étions dans le livre de Juges. La Bible dit, Dieu a dit à Gédéon, moi-même je te dirai qui va aller avec toi à la guerre et qui n'y va pas. Gédéon lui-même ne savait pas. Gédéon, en regardant, il ne savait pas qui va aller avec moi à la guerre. Ton pasteur, ton entourage, personne ne sait si tu vas aller au ciel. Quand tu es en train de marcher, personne ne le sait. Mais si nous sommes ensemble, devant l'eau, devant la parole, la façon que nous sommes en train de vivre la parole, nous pouvons savoir si réellement tu vas aller au ciel ou pas. Parce que Gédéon, quand Dieu lui a dit que amène le peuple vers l'eau, Gédéon, parmi les 10 000, il ne pouvait pas savoir qui va aller avec moi à la guerre. Mais quand ils sont arrivés devant l'eau, Gédéon les a amenés vers l'eau. Amener vers l'eau veut dire Gédéon les a présenté la parole. Gédéon va commencer à prêcher la parole de Dieu. Gédéon va montrer le peuple Jésus. Aller vers Jésus, aller boire de l'eau qui est notre Seigneur Jésus. C'est ça Gédéon qui amène le peuple vers l'eau. Maintenant, arrivé vers l'eau, quand les peuples sont en train de boire, Dieu avait déjà révélé à Gédéon, qui sont ceux qui vont aller avec toi? Seulement ceux qui vont laver l'eau comme un chien en amenant l'eau avec leurs mains. Ok. Donc Gédéon pouvait maintenant déterminer que tel va aller à la guerre avec moi, tel n'y va pas. C'est quand tu es en train de boire l'eau, c'est là-bas qu'il y a la différence. Donc, ton pasteur, ton ami, ton frère, peut comprendre que tu vas aller en enfer ou soit au ciel par rapport à ta façon de mettre en pratique la parole de Dieu. Très important. Là, nous sommes dans le présent. Je ne suis plus en train de dire qu'est-ce que tu étais avant. Qui tu étais avant? Je ne parle pas de ton passé. Je parle maintenant de la manière que tu es en train de boire l'eau. La manière que tu es en train de mettre en pratique la parole de Dieu. Cela va déterminer si tu vas aller au ciel ou pas. Là, Gédéon peut voir. Parce que Dieu a déjà révélé que c'est lui qui met en pratique ma parole. C'est lui qui obéit à mes ordonnances. C'est celui-là qui sera sauvé. Donc tu vas aller en enfer, je le saurai, mon frère le saura, mes bien-aimés le sauront. Quand tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, quand tu ne sais pas comment on boit l'eau. Ah, la Bible. J'aime beaucoup la parole de Dieu, bien-aimé. Avec ton passé, je ne sais pas te juger. Avec ton passé, je ne sais pas comment mettre des informations là-dessus ou des commentaires. Mais avec ton présent, avec le Seigneur, je sais déterminer si réellement tu crains Dieu ou pas. C'est dans le présent. Il y a d'autres qui sont partis plus loin. Mais la Bible dit, ne jugez point. Nous avons déjà enseigné pour dire, non, nous en Christ et Jésus, nous jugerons. Nous jugeons nos bien-aimés. Je peux te juger. Parce que quand je vois que tu ne sais pas boire de l'eau, je vais te juger, bien-aimé. Hein? Nous disons toujours dans cet évangile, quand les Juifs ont amené cette femme en flagrant délit d'adultère, ils ont pris de pierre, ils voulaient lancer sur la femme. Jésus a dit que celui qui n'a pas de péché,
lance la pierre, la première pierre. La Bible dit, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, ils ont jeté leur pierre, ils sont partis. Et Jésus va regarder la femme. Où sont ceux qui t'accusaient? Ah, il n'y a personne. Moi non plus, je ne t'accuse pas. Parce que Jésus n'était pas un juge à ce moment-là. Il était un avocat. Mais aujourd'hui, il est en train de juger, bien-aimé. Aujourd'hui, si tu tombes, nous allons prendre des pierres, nous allons te lancer, bien-aimé. Moi, avec ma pierre, je ne vais pas jeter. Parce que la question, c'était de savoir. C'est lui qui n'a pas péché, lance la première pierre. Moi, je ne pêche pas, bien-aimé. Ça, tu ne savais pas. Un élu de Dieu ne pêche pas. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Et il ne peut pécher parce que la semence de Dieu est en lui. Donc, comme je ne pêche pas, quand je te vois pêcher, je vais te lancer la pierre. Je ne vais pas jeter ma pierre. Je vais prendre la pierre qui est la parole. Je te jette en face. Comme ça, tu as vraiment des blessures, bien-aimé. Parce que nous croyons que cet évangile nous juge. Parce que c'est en nous jugeant que nous arrivons à la perfection. La Bible dit, un enfant de Dieu ne pêche pas. Oh, je suis un enfant de Dieu, je ne pêche pas. Je ne peux pas pécher parce que la semence de Dieu est en moi. Donc, si je prends la pierre, je ne vais pas jeter, je vais te lancer. Je vais te juger. Ah non, bien-aimé, la Bible dit que si tu vois ton frère avec la paille, ne juge pas ton frère. Comment tu peux juger ton frère alors que tu as une poutre sur ton œil, alors que ton frère n'a que de paille? Cette écriture, j'espère que vous connaissez comment ça se formule. Donc, enlève d'abord la poutre qui est sur ton œil et tu sauras comment enlever la paille qui est sur l'œil de l'autre. Ça, c'était Israël, bien-aimé. Nous, aujourd'hui, Dieu nous a appris comment enlever la poutre. Parce que la Bible dit, enlève d'abord ce qui dérange ton œil. Enlève d'abord la poutre qui est sur ton œil. Alors tu sauras comment enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Or Dieu, par l'enseignement, nous a déjà montré comment enlever la poutre. Quand ma poutre est enlevée, quand mon péché est tombé, quand ce qui m'a faiblissé, quand ce qui ne me permettait pas de bien voir est tombé, je sais maintenant comment enlever ta paille. C'est là-bas que je viens te juger. Je viens enlever ta paille par l'enseignement. Donc je sais enlever la poutre par la parole de Dieu. Alors je saurai comment enlever ta paille, bien-aimé. Vous n'avez pas bien lu l'écriture. Alléluia. Nous jugeons par l'enseignement. Parce que l'homme spirituel juge de tout, bien-aimé. Nous jugeons. Très important. Alors, la question que nous avons ici, est-ce que Gédéon peut confirmer que tel peut aller au ciel, tel ne peut pas? Nous disons qu'il peut confirmer, c'est quand tu es en train de mettre en pratique la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu chez Gédéon, c'était quoi? C'était que ceux qui vont boire de l'eau en amenant par leurs mains et laver comme des chiens, ce sont ceux-là qui vont entrer avec toi, qui vont aller avec toi à la guerre. Or, nous disons que laver l'eau comme un chien et prendre par sa main, c'est au fait mettre en pratique la parole de Dieu. Très important. Waouh, c'est très important. Donc, en cela, nous allons comprendre une écriture, excusez-moi. Nous allons juste confirmer si réellement je peux te dire que attention, tu vas aller en enfer ou soit. Continue parce que tu iras au ciel avec ces comportements. Nous disons oui, si seulement dans le présent la personne est en train de mettre en pratique la parole de Dieu. Maintenant la question c'est de savoir comment saurais-je que mon bien-aimé est en train de mettre en pratique la parole de Dieu? C'est ce que nous voulons répondre. Matthieu chapitre 7. Comment saurais-je que mon bien-aimé est en train de mettre en pratique la parole de Dieu? Matthieu chapitre 7. Je prends le verset 15. Matthieu chapitre 7, le verset 15 jusqu'à 20. Gardez-vous
de faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. En d'autres termes, quand je vois mon frère, quand je vois le pasteur, quand je vois le prophète, le docteur, l'évangéliste et l'apôtre, quand je vois ces gens-là, dehors, ils manifestent la vie de la sainteté, de la pureté, mais il se pourrait qu'à l'intérieur, ce sont des loups. Mais comment saurais-je alors? Comment saurais-je que tel va aller au ciel? Comment? Même s'il mettait en pratique, mais c'est vraiment les dehors. Mais à l'intérieur, il se pourrait que c'est un loup. Mais comment saurais-je? C'est ça la question. Matthieu chapitre 7, le verset 15, je descends. Je prends maintenant le verset 16. Parce que nous avons compris que le verset 15, la Bible dit, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Or, les dedans, je ne sais pas voir. C'est seulement l'extérieur. Mais l'extérieur, il manifeste comme si c'était une brebis. Ok. Mais Dieu me dit, au verset 16, il continue. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Ok. Cueille-t-on de raisins sur des épines ou de figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, pour reconnaître un bon arbre et un mauvais, la Bible me dit, le Seigneur me dit que c'est par leurs fruits. Ah, ok. Donc, quand je vois un frère, quand je vois quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, je ne le condamne pas encore. J'ai dit amen. Parce que là, c'est l'habit des brebis. Mais à l'intérieur, si c'est un loup, qu'est-ce que je vais attendre? Parce qu'un arbre qui est en train de pousser, on ne sait pas si c'est un bon ou mauvais. Il faut qu'il y ait d'abord le fruit qui sort. C'est-à-dire ce qui était à l'intérieur, ce qui était dans leur pensée intérieure, la partie du loup doit d'abord sortir. Donc l'arbre ici, c'est la partie de la brebis. Le fruit en question, c'est la partie qui était intérieure, cachée que les hommes ne pouvaient pas voir. Cette partie doit sortir. C'est ça le fruit. Ok. Quand la partie est sortie, il faut prendre ce fruit et goûter. J'aime ça. Quand je goûte ton fruit, je trouve que ton fruit ne donne pas un bon fruit, je comprends que tu vas aller à l'enfer. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? Quand nous sommes avec des frères, nous sommes avec des pasteurs, nous allons les laisser croître. Il faut qu'ils grandissent. Nous devons rester longtemps avec eux. Ce qui est à l'intérieur, un jour sortira. Même quand tu vois le frère aujourd'hui, faut pas dire directement que le frère va aller au ciel ou soit le frère va aller en enfer. Il faut rester avec ce frère, attendre jusqu'à ce que le fruit, ce qui est à l'intérieur, sorte. C'est ça la partie du loup ravisseur, la partie de l'animal qui détruit, la partie d'un frère qui divise, la partie d'un meurtrier, la partie d'un impudique, un adultère. Quand cette partie sort et qu'on mange le fruit, on trouve que ce n'est pas un bon fruit, on comprend que cet arbre, c'est un mauvais fruit ou un mauvais arbre. Là, nous pouvons dire, bien-aimé, avec de telles pratiques qui étaient cachées à l'intérieur, qui étaient cachées depuis longtemps, tu ne peux pas voir le Seigneur. Parce que ton fruit n'est pas bon. Mais comprenez que parmi ces gens-là, il y a d'autres. Le fruit est sorti.
on mange le fruit, mais on comprend que le fruit n'est pas encore arrivé à la maturité. Mais c'est un bon fruit. Mais le problème, que le fruit n'est pas encore arrivé à la maturité pour qu'on le mange. Ça, c'est la vierge folle. C'est la vierge folle. C'est un bon fruit, mais c'est un fruit qui n'est pas à la maturité. Si tu le mangeais aujourd'hui, ce n'est pas bon dans la bouche. Mais si tu le laissais encore un peu de temps, tu vas voir que le fruit va devenir mature. Ça, c'est la vierge folle qui, lors de l'enlèvement, n'aura pas un bon fruit. Mais avec la persécution, la grande tribulation, le fruit va devenir mûr et ça sera un bon fruit. C'est comme ça que la vierge folle va entrer dans le royaume. Je ne parle pas de la vierge folle qui est un bon fruit, mais qui n'est pas arrivée à la maturité. Mais je parle de ceux qui sont mauvais, qui nous ont montré que c'était un arbre bon, mais quand le fruit est sorti et qu'on a mangé leur fruit, c'était des ravisseurs, de loups qui divisent. C'était des méchants, des cupides, des impudiques et des adultères, des meurtriers, des escrocs qui sont au milieu des enfants de Dieu. Je ne parle pas de la vierge folle, mais ici, je suis en train de dire que si tu marches comme un escroc, un impudique, un adultère, tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu ne verras pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que ton présent représente ce que tu es à l'intérieur. Nous pouvons te dire, bien-aimé, avec ça, tu iras en enfer. Oui. Là, nous pouvons te juger, bien-aimé. Nous pouvons te juger. Très important. Oh, toi qui es un appelé, toi qui es un enfant de Dieu, j'aimerais te dire, seul Dieu te connaît. Les hommes ne te connaissent pas. Ta destinée est entre les mains du Seigneur. Efforce-toi aujourd'hui, avec la grâce que Dieu te donne, afin de surmonter les épreuves pour que tu parviennes au salut. J'aimerais te dire, ta valeur d'aujourd'hui, ou soit la valeur du futur, ne dépend pas des échecs du passé. Tu n'es pas le fruit des échecs de ton passé. Tu n'es pas le fruit des échecs de tes parents. Tu n'es pas le fruit des échecs de ton entourage du passé. Tu n'es pas le fruit des échecs de tous les conseils que tu avais reçus dans le passé. Mais tu es le fruit des efforts que tu es en train de faire avec le Seigneur par la parole au présent pour que tu atteignes dans le futur la dimension voulue par Dieu. C'est ton futur qui compte devant Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ton présent pour que tu ailles dans un futur certain? Marche avec le Seigneur. Enlève la cupidité. Jette derrière toi le péché. Si tu es réellement un élu de Dieu, qui veut aller au ciel, regarde ton présent. Jette toutes les insultes que les gens t'ont données dans le passé. Regarde-toi valeureux dans la présence de Dieu aujourd'hui. Et continue la marche avec la grâce que Dieu te donne par la parole. C'est comme ça que tu vas atteindre un futur certain en mettant en pratique la parole de Dieu. Très important, bien-aimé. Car le Seigneur veut que tu puisses aller de l'avant. C'est ça notre destinée. Les échecs d'hier ne peuvent pas déterminer ton futur. Pourquoi? Parce que dans le présent, tu as déjà changé les circonstances du passé. Maintenant, tu es en train de voir le futur pour aller avec le Seigneur. Je veux que tu prennes une décision dans ton cœur. Que ton présent soit certain avec le Seigneur. Que dans ton présent, tu marches avec Jésus. Et que rien ne peut t'empêcher de voir Jésus dans le futur à cause des échecs du passé. Non. Parce que dans le présent, tu es avec le Seigneur. J'aimerais que le Seigneur te fasse victorieux devant tes ennemis, devant ceux qui disent des mal de toi, afin qu'ils changent leur langage. Ceux qui sont animés de mauvais esprits, afin qu'ils changent leur langage. Parce que tu ne dépends pas de tout ce qu'ils ont dit dans le passé, mais tu dépends de ce que Dieu dit de toi dans le futur. C'est très important, bien-aimé. Alléluia. Donc ça, c'est la dimension d'un élu. Celui qui marche
non plus dans tout ce qui est passé, mais celui qui marche dans ce que Dieu lui dit dans le présent pour atteindre le futur. Très important. Alors nous allons petit à petit pour cheminer au fait les élus dans l'armée de Gédéon. Remarquez le verset 5. Juges chapitre 7. Le verset 5. C'est là-bas que nous allons cheminer et terminer cette partie de l'armée. Les élus dans l'armée de Gédéon. Juges chapitre 7, je prends le verset 5. La Bible dit ceci. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu le sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Verset 7. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix. C'est par les 300 hommes qui ont la paix. Qui ont la paix que je vous sauverai. Et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Donc cette écriture, pour terminer l'élection, Dieu va dire à Gédéon, commence maintenant à observer. Regarde le peuple, comment ils sont en train de boire l'eau. Ceux qui vont prendre l'eau avec leurs mains. Remarquez le mouvement d'un élu. Le mouvement d'une personne qui comprend ce qu'elle est en train de faire. Ceux qui vont prendre l'eau avec leurs mains. Ayant l'eau entre leurs mains, ils sont debout. Ce n'est pas qu'ils étaient à genoux, non. Ce peuple était debout, les 300. Ils sont debout, ils sont venus devant l'eau. Ils vont prendre l'eau avec leurs mains. C'est-à-dire, ils vont prendre une quantité. Ils amènent leur bouche, ils ouvrent leur bouche, ils vont mettre leur langue sur la quantité d'eau qui était entre leurs mains. La langue va déterminer si l'eau est buvable ou pas. C'est alors qu'ils peuvent boire l'eau. J'aime ça, bien-aimé. Je répète ces mouvements. C'est seulement les 300. Qui ont la paix l'eau comme le chien, en amenant l'eau par la main, ce sont eux qui vont aller avec toi à la guerre. Maintenant, remarquez le mouvement. Quand le peuple sont venus devant l'eau, les 300, ils ont pris l'eau avec leurs mains. Ils n'étaient pas à genoux, ils étaient debout. La position d'être debout, c'est la position de la vigilance, bien-aimé. C'est être vigilant. C'est aussi la position de l'adoration, bien-aimé. C'est aussi la position de la louange. C'est la position d'une personne qui est prête. Parce que rappelez-vous, en Égypte, fallait être debout, ceinture sur le rein, bâton à la main, chaussures aux pieds. Fallait être debout. C'est-à-dire, nous sommes prêts pour partir. Donc, ces gens sont debout. Ils vont prendre l'eau entre leurs mains. Ils amènent l'eau devant leur bouche. Il faut comprendre que quand tu amènes l'eau, tes yeux sont sur la quantité d'eau qui est sur la main. L'eau va toucher la langue parce que ces gens doivent laper l'eau avec leur langue comme on lape les chiens. Or, quand ils ont mis la langue sur l'eau, la langue doit détecter, la langue doit définir si réellement l'eau est buvable ou pas. Quand l'eau est buvable, alors on peut boire. Donc, en lapant l'eau, nous avons compris que l'eau était buvable. La quantité que j'ai pris était buvable. Alors, je peux prendre encore une autre quantité. Mais la différence avec les autres, quand ils ont vu l'eau, ils se sont à genoux, ils ont mis leur tête sur l'eau, ils ont commencé à boire. Donc, il n'y avait pas cette vigilance.
il n'y avait pas cette prudence. Ils se sont mis à genoux et ils ont commencé à boire. C'est être pressé dans les choses de Dieu. C'est être pressé dans la présence de Dieu. Tu es pressé, tu prends tout sans intelligence, sans pensée, sans prudence. Ils ont bu à la hâte. Quand tu bois à la hâte, alors que tu as soif, tu ne vas pas boire beaucoup. Par rapport à quelqu'un qui est en train de prendre quantité par quantité, cette personne est en train de remplir les réservoirs. Je suis en train d'expliquer. La vierge folle et la vierge sage. La vierge sage va prendre l'eau. C'est une personne qui est debout, prudente, une personne qui est vigilante. Quand elle goûte, elle trouve que c'est bon, elle prend une autre quantité. Elle n'est pas pressée avec la parole de Dieu. Elle pose des questions. Elle entre dans des détails de choses afin de comprendre réellement ce qu'elle est en train d'entendre, afin de comprendre l'eau qu'elle est en train de boire. C'est la prudence et l'intelligence. Elle est en train de faire des réserves. J'aime ça. C'est Matthieu chapitre 25. La vierge sage avait des réserves d'huile. Je prends une quantité, je bois. Je prends une quantité, je bois. Je vais remplir bien mes réserves. Mais quelqu'un qui boit à la hâte n'aura pas de réserves. Parce que tu bois sans intelligence. C'est ça au fait la vierge folle. Donc nous avons compris que Dieu voulait qu'on vienne devant l'eau pour que nous puissions remplir nos réservoirs. Et comprenez que c'est par la langue que nous sommes en train de définir si la parole est bonne ou pas. Oh, la langue que nous sommes en train de goûter aujourd'hui pour goûter la parole, si la parole est bonne, c'est notre oreille. Si tu n'as pas des oreilles pour bien comprendre la parole de Dieu, tu auras des difficultés. Il y a beaucoup qui entendent mais qui n'écoutent pas. Or, un enfant de Dieu doit entendre et en même temps écouter. Parce que celui qui entend et qui écoute, c'est celui-là qui va aller au ciel, le bien-aimé. Je prends l'eau, avant de boire, je goûte, après je peux boire. Mais remarquez que ceux qui sont à genoux, ils ont directement commencé à boire. Ça, c'est sans intelligence. Tu ne réfléchis pas. Tu viens dans les choses de Dieu. Tu croyais que notre évangile était facile. Tu es venu rapidement. Tu croyais que c'était trop facile, que nous allons caresser le péché. Tu es venu au milieu de nous. Tu es venu précipitamment. Mais avec le temps, quand tu as trouvé que c'était difficile, parce que nous frappons très fort sur le péché, voilà, tu as fui. Tu ne peux pas rester avec nous. Mais comprends qu'un jour, si réellement tu es appelé de Dieu, Dieu te remettra sur le même pas. Parce que la vierge folle doit fuir cet enseignement pour aller se reposer quelque part. Mais malheureusement, tu reviendras sur le même pas, mais ça sera trop tard. C'est seulement ceux qui acceptent que la parole puisse leur façonner. Ce sont eux qui vont aller au ciel. Un élu, c'est celui qui accepte que la parole le façonne. Qu'il soit façonné par l'enseignement. Transformé par l'enseignement. C'est seulement cette personne qui va aller au ciel. C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Alors, pour terminer aujourd'hui, parce que comprenez que nous allons continuer encore prochainement parce que le Dieu de gloire est en train de nous faire beaucoup de grâce pour cet enseignement. Le verset 7, Juges chapitre 7, le verset 7. La Bible dit ceci, Juges 7, le verset 7. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai, et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple rentre ou s'en aille, pardon, chacun chez soi. Aller chacun chez soi veut dire que tout le peuple, à part les 300, reste sur la terre. C'est-à-dire, ils ont raté l'enlèvement. Et vous voyez, c'est là.
c'est seulement les 300 qui vont aller avec Gédéon à la guerre, en d'autres termes, qui vont aller en enlèvement. Que les autres rentrent chacun chez soi. Rentrer chacun chez soi veut dire laisser les camps de Gédéon, laissez les camps de 300, mais vous autres rentrez chez vous. Rentrez chez vous, c'est ça, fuir. Sortir de l'enseignement. Abandonner l'enseignement parce que c'était dur. C'est ça la vierge folle. Tu ne sauras pas atteindre la maturité avec nous. Tu vas fuir, bien-aimé. Mais si tu veux que le Seigneur t'amène à la maturité, accepte l'enseignement que nous sommes en train de présenter. Un enseignement dur, mais c'est pour ton salut. Mais ceux qui vont fuir l'enseignement à cause de la persécution, à cause des tribulations, comprenez que vous êtes parmi ceux qui sont rentrés chez soi. Ils vont rater l'enlèvement. C'est seulement ceux qui sont dans les camps de Gédéon qui vont aller en enlèvement, qui vont aller à la guerre. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont eux qui vont sauver les peuples contre les Madianites. C'est très important. Donc, là, j'ai pris cette écriture pour montrer la différence entre le 300 et ceux qui sont rentrés à la maison. Ceux qui sont rentrés à la maison, c'est la vierge folle qui rentre, qui va rater l'enlèvement. Et que le 300, c'est ça, la vierge sage qui va aller avec Gédéon. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de présenter un évangile puissant. Un évangile qui a franchi le vide. Un évangile qui t'amène à te préparer davantage. Un évangile très puissant. Un évangile qui rassure les pas de ceux qui aiment le Seigneur. Quand nous martelons sur le péché, c'est pour t'aider toi à fuir le mal et demeurer dans la vie chrétienne. Présenter les éléments, le fruit digne d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas nous présenter la face de la brebis alors qu'à l'intérieur tu es un loup ravisseur. Mais le Seigneur nous a dit de rester avec toi. Nous ne pouvons pas te chasser. Pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur n'est pas encore sorti. Nous attendons le fruit qui est à l'intérieur. Quand ce fruit va sortir, nous allons goûter ce fruit. Nous allons voir ce fruit si réellement tu es un bon ou pas. Tu vas voir que si tu n'es pas un bon, tu vas fuir au milieu de saints. Parce que ceux qui demeurent dans le péché, ceux qui sont injustes, les pécheurs, ne résistent pas dans l'ensemble des saints. Tu ne peux pas résister. Vu que notre évangile, c'est un évangile de la pureté, de la sanctification. Même si tu t'es caché aujourd'hui au milieu de nous, même si tu t'es camouflé, mais parce que tu es un arbre et que la pluie de Dieu tombe tout le temps, tu vas toujours pousser, vouloir ou pas. Tu vas pousser. Et plus tu pousses, plus tu fais sortir des branches, jusqu'à un moment, le fruit va sortir. Tu ne peux pas te cacher, bien-aimé. C'est pour cela que nous ne pouvons pas te chasser maintenant. Nous attendons pour voir le fruit qui est en toi. Si réellement tu es un appelé de Dieu, si réellement tu es un élu de Dieu, nous le verrons par ton fruit. Ce qui est à l'intérieur, un jour sortira. Un jour sortira. Oh là là, le Seigneur est bon. Parce que le Seigneur garde toujours ses enfants dans sa présence, parce qu'il nous aime tellement. Je vais prendre encore une écriture rapidement et terminer aujourd'hui. Parce que l'évangile que nous sommes en train de présenter, c'est un évangile rempli de la gloire de Dieu. Je vais prendre une écriture. Je suis dans les livres, je crois de... Je vais prendre rapidement. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens. Bon, je prends Galates. Supportez-nous que je prenne Galates. C'est là-bas que nous allons terminer aujourd'hui et attendre ce que le Seigneur va nous donner prochainement. Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er. Alors je prends le verset
Je commence à partir du verset 11. Je vais prendre une écriture ici et on va terminer aujourd'hui. Galates chapitre 1, le verset 11. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Attends. Non, je monte au-dessus. Je prends le verset 6. Galates chapitre 1, à partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Je répète le verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Qui veulent altérer l'évangile de Christ. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, c'est là-bas que je termine. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, mais bien-aimé Roger, pourquoi tu parles de l'évangile de Christ? Pourquoi ne pas seulement parler de l'évangile éternel? Parce que l'évangile éternel et l'évangile de Christ, on ne voit pas la différence. Apparemment, vous présentez presque la même chose. Mais il y a encore un autre bien-aimé de l'évangile éternel qui est venu me dire, bien-aimé Roger, toi, tu n'es pas de l'évangile éternel. Tu ne prêches pas notre évangile. Donc, tu n'es pas de notre évangile éternel. Moi, je vais répondre ceci. Dans cet évangile, en tout cas, bibliquement parlant, nous avons compris que une chose est attestée vraie par la déposition des deux ou de trois témoins. Donc, si vous voulez, au fait, attester quelque chose pour que la chose soit vraie, venez avec deux ou trois témoins. C'est-à-dire, ce que nous sommes en train de dire, si ce n'est pas juste, parce que nous, ce que nous présentons, nous avons deux ou trois témoins. Maintenant, ce que vous vous présentez, quand j'ai dit vous ici, en tout cas ceux qui se disent de l'évangile éternel, ce que vous présentez, si vous avez des témoins, deux ou trois témoins, nous disons gloire à Dieu. Nous soutenons. Mais quand votre pensée n'a pas de témoins, il n'y a qu'un seul témoin, nous avons quelque part un souci. Premièrement, évangile éternel. En tout cas, dans la Bible, je n'ai qu'un seul témoin. Si vous avez d'autres témoins, aidez-moi. Les termes évangile éternel, je n'ai qu'un seul témoin. En tout cas, c'est dans les livres d'Apocalypse. Mais quand nous parlons de l'évangile de Christ, en tout cas, j'ai plus de 7 témoins. Et quand je dis évangile de Christ, j'ai plus de 7 témoins pour ce terme-là. Donc, je ne vois pas pourquoi je dois basculer vers l'évangile éternel alors qu'il y a un seul témoin. Si dans la Bible, la mention qu'on a mentionnée plus, c'est l'évangile de Christ,
Mais je reste là où il y a beaucoup de témoins bien-aimés. Et comprenez que dans l'évangile de Christ, nous sommes en train de préciser les choses. C'est un évangile de précision, pas un évangile de copier-coller. Nous avions copié pendant 10 ans, nous venons pour coller. Nous avions copié les branhamistes, nous venons pour coller. Non, dans notre évangile, l'évangile de Christ, nous écoutons, nous examinons, nous disons Amen. Voilà. Donc je ne peux pas copier-coller. Je copie, j'examine, je vérifie, alors je colle. Je ne peux pas copier les branhamistes, je viens coller sur le corps des gens. Quand les branhamistes disent non au pantalon, je viens coller non au pantalon. Quand les branhamistes disent non bijoux, je viens copier non bijoux. Non, ça c'est pas notre évangile. Quand on dit non bijoux, j'ai écouté, je prends cette parole, j'amène la Bible, j'appelle les témoins. Ce sont les témoins qui vont me dire, voilà, ça c'est bon. Il y a beaucoup des enseignements dans l'évangile éternel qu'on doit appeler des témoins pour dire que ça c'est pas juste. Là où c'est juste, nous disons Amen. Mais là où ce n'est pas juste, en tout cas les témoins témoignent. En tout cas pas nous. Ce sont les témoins qui ont témoigné que les mots pantalon, dans la Bible nous n'avons pas trouvé. En tout cas les mots pudeur, ça on a trouvé. Mais pantalon, ça je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé robe. J'ai trouvé le mot robe. Ah, donc si Paul parlait des robes, ça doit être pudeur, modestie et décence. Donc tout vêtement doit avoir ces trois éléments. Parce qu'avec le temps, le couturier est en train de changer la couture. Mais ce n'est pas le problème de la couture, c'est le problème du couturier. Il doit respecter pudeur, décence et modestie. Ça c'est un enseignement profond. Je sais que le Seigneur nous amènera là-bas et c'est là-bas que nous allons ouvrir les yeux. En tout cas, nous sommes toujours disposés pour ceux qui aimeraient un partage là-dessus. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez écoutés avec cet évangile de Christ, un évangile puissant, un évangile de précision qui amène le peuple dans la perfection, qui n'amène pas le peuple à pécher obligatoirement, qui amène le peuple à pécher gratuitement et les autres font semblant. Non, qui amène le peuple, quand tu pèches, tu reconnais ton mal, tu continues la marche, tu te lèves pour marcher dans la sanctification. C'est un évangile qui nous amène de mieux en mieux dans la présence de notre Seigneur Jésus. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Bénis ton peuple qui se prépare à s'approcher de la porte étroite qui amène vers toi. Nous nous approchons, Seigneur, de toi pour que nos vies que tu as étalées sur la face de la terre soient revêtues de ta grandeur et de ta puissance. Appelle-nous, Seigneur, à ces grands rassemblements, à ces grands rassemblements des élus, afin que nous puissions monter en enlèvement avec toi et voir la gloire de ton royaume, la puissance de ta grandeur. Bénis mon frère, bénis ma sœur, que cet enseignement soit imprégné dans ses pensées, afin de marcher dans la crainte de ta parole, de marcher dans la crainte de ton enseignement, mettre en pratique ta parole, et c'est comme ça que nous te verrons face à face, parce que tu es notre Dieu. En ton nom Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen.